Aujourd'hui, petit reportage aux Aubonnes. Les Aubonnes, c'est un petit village situé en vallée d'Ossau, au-dessus de la Reims, surtout réputé pour son petit casino, enfin son casino, dont nous montons les marches actuellement, et son thermalisme, enfin ses eaux thermales, quoi. Et donc on va faire un petit tour dans le village, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, en partant d'Oloron, il y avait un super soleil. Là, il n'y a plus de soleil, c'est couvert, et même il a plu. Mais il fait pas froid, c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est le casino des Aubonnes. Alors il y en a qui font la sieste. Eh ouais. Une bonne journée pour dormir. Casino qui apparemment a été réouvert puisque il y a quelques années il était fermé. Alors là c'est le casino mais vu du côté jardin public. Alors on n'a pas tellement de pot parce qu'il commence à pleuvoir. Donc on va quand même essayer de continuer. Hein. Bon, on verra bien. Voilà, il y a une petite cabine téléphonique, c'est plutôt pas mal, apparemment elle marche. Alors dans les Aubonnes, il y a plein de petites... Enfin, il y a quelques petites rues principales, mais il n'y a pas grand monde dedans. Avant, il y avait des commerces. Il y a pas mal de temps déjà, il y avait plus de commerces qu'aujourd'hui en tout cas. Maintenant, c'est plutôt à vendre. Là, c'est une laverie. Une laverie qui marche. Hein. Si on veut se faire restaurer, on peut toujours venir ici. Il y en a quand même qui font de la résistance parce que sur toute cette rue, il y a quand même un balcon fleuri, ce qui est plutôt rare. Pour être souligné. Sinon, c'est désert. À louer. De toute façon, c'est à vendre ou à louer. Hein. Et... La montagne verte se trouve ici. On appelle ça, ça la montagne verte parce qu'elle est verte toute l'année. Voilà. Bon, le seul engin qui fasse du bruit dans la rue, c'est un engin de chantier. De la ville sans doute. Résidence Eugénie. Alors ça c'est la résidence Eugénie. Il n'y a pas grand monde au balcon parce que tout est fermé. C'est une résidence vacante. Tout comme le chalet Josiane d'ailleurs. Et là, nous avons la résidence Basilia. Où vas-tu, Basilia? Pareil, fermé. Je pense que c'était pas la saison sans doute. Ils ont un colombage. Au loin la montagne, nous n'irons pas aujourd'hui d'ailleurs. Là aussi, maison à louer, tout confort. Taxi excursion, VTT. Bon là, ça c'est assez marrant, c'est que normalement, il devrait y avoir marqué hôtel ici. Les restaurants, restaurants. Oh,
Un beau lézard qui prend le soleil. T'inquiète pas, on vient pas t'embêter. Ça va? Oui, on bronze. Il est mal, hein? Eh ben, apparemment, ça, c'est l'école du village. Le fronton. Alors, pour ceux qui aiment le vélo, en voici de taille. On peut avoir l'arrêt des fesses qui arrive au niveau du pédalier. C'est un petit côté touristique quand même, comme ça. Bon, ben, nous montons un petit chemin verdoyant pour essayer de voir les Aubonnes de plus haut et voir ce que ça va donner. Alors là, nous sommes à la moitié du petit chemin. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est sur ce petit chemin qui monte, là, à part la pluie qui mouille, ben, il y a des petits portails comme celui-ci. Il doit être ouvert depuis longtemps. Et qui doit mener peut-être sur un jardin ou quelque chose comme ça. Bon, là, il commence à pleuvoir. On n'y peut rien. Toujours des petits escaliers qui mènent sur des toitures. Alors là, nous sommes au-dessus des maisons, et comme je le disais tout à l'heure, là, il y a une passerelle, on voit l'extrémité d'une passerelle qui dépasse, qui permettait de rentrer directement par une porte qui donnait sous les toits, qui permet toujours d'ailleurs de le faire. Et au loin, il y a une jument. En poulain. Alors là, nous continuons à grimper sur un petit chemin qui devrait nous mener au-dessus des Aubonnes, d'où normalement nous devrions avoir une vue intéressante. J'espère. En fait, je suis sûr parce que je suis déjà venu. Une jolie perspective. Nous avons en bas la petite grand-mère à qui nous avons dit bonjour tout à l'heure, qui réajuste son chapeau. Peut-être même qu'elle va rentrer. C'est peut-être Simone, justement, le chalet de Simone. C'est la seule porte qui soit ouverte. Ah ouais, si ça c'est le chalet de Simone. Simone est assise là. Je sens qu'il y a des orages au loin. Voilà. Le casino où nous étions tout à l'heure. Apparemment, le monsieur, il s'est réveillé. Et honnêtement, c'est vraiment couvert et chargé, quoi. Une ville fantôme, ouais. Des maisons encaissées entre d'autres murs, vides. On peut même voir un lavabo au rez-de-chaussée. Inutilisé. Une espèce de tapisserie posée sur les vitres. Et enfin, au dernier étage, qui semble être une cuisinière ou quelque chose comme ça, c'est marrant, hein, avec des placards qui ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est habité ou pas, je sais pas. En tout cas, si c'est habité, ça n'est pas de ce côté-ci. Alors, cette grande bâtisse, je me souviens plus ce que c'est, ouais, on saura peut-être en passant devant tout à l'heure. L'église du village avec sa jolie porte rouge, repeinte il n'y a pas longtemps, sans doute. Plus bas, le parking, enfin une partie. On dirait un éventail d'ailleurs. Et au loin, toujours le casino. On continue sur ce petit chemin qui devrait nous mener au kiosque. On n'a pas choisi le plus facile, faut reconnaître. Mais bon, il faut choisir le plus simple quand on peut choisir le plus compliqué.
Alors, il faut faire attention, on met les pierres, en même temps il faut que je filme. Là nous sommes au-dessus des thermes des Aubonnes, la station thermale. Ah, 4h c'est l'heure du goûter, je crois que j'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Alors petite histoire de science naturelle, on ne le voit pas bien là, mais il y a plein de petites fourmis qui s'agitent. Donc on peut s'imaginer que la fourmilière n'est pas loin. Et là voilà. Là. Ça c'est la fourmilière. Nous venons de déranger une colonie de fourmis avec nos gros pieds. Et elles sont un petit peu affolées. Ah, encore 4 heures, c'est l'heure du goûter les filles. Bon, je vous laisse. Le pain de sucre local. Avec ses petits arbres au sommet et son kiosque qui est juste derrière les arbres là, qu'on peut apercevoir à travers. Alors à côté de la structure thermale, nous avons ce que l'on peut appeler communément le mini-golf local, avec ses toboggans, ses tunnels. Apparemment il n'a pas été utilisé depuis un moment parce que sur le parcours nous voyons des branchages. Ça pourrait servir de circuit pour les voitures radiocommandées aussi, tiens. Alors là, ce qui est intéressant c'est que si on passe la balle dans le trou et qu'elle ressort de l'autre côté, on est bon. Sinon on a perdu. On peut toujours aller pleurer sur le green. Alors ici il y a pas mal de randonnées, de chemins de randonnée. Il y a l'ancien panneau qui est là depuis un moment et qui montre un petit peu tous les types de randonnées qu'il peut y avoir, comme par exemple Soussouéou, lac d'Artoust au-dessus. C'est quand même 6-9 heures de marche. Le chemin de Balour, avec la grotte du Balour qui n'est pas très loin finalement, à 1 heure. En fait, ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, tout simplement. Parce que les vannes du barrage d'Artoust sont presque fermées. Ou alors, c'est parce que qu'on est en pleine sécheresse ou qu'on est en passe de l'être. À savoir. C'est l'un ou l'autre. Alors, petite curiosité aussi qui est intéressante ici, c'est cette maison que moi j'appelais il y a quelques années la maison de la famille Adams. Là, c'est une belle bâtisse. Je l'ai toujours vu fermée, je l'ai jamais vu ouverte. Bon ben on redescend un petit peu vers le village là. On a fait quand même un petit tour, hein. Comme d'habitude il faut grimper pour voir de plus haut ce que ça donne. C'est sympa. Il n'y a pas grand monde. Ils vont pas se battre pour voler la baballe. Voilà les thermes, c'est le terme approprié. Thermes de jeu qui sont apparemment fermés, hein. Pas grand monde. Apparemment il y a des travaux. Il y a un panneau ici dont je ne peux pas montrer la marque. Voilà, on voit bien, on descend quand même. Là c'est la porte d'entrée, il y a marqué tirer. Pas sur la porte, hein, sur la poignée. L'église des Aubonnes avec son clocher plat. Alors est-ce qu'il a toujours été plat? Aucune idée, peut-être. Peut-être une particularité du coin. Thank you.
résidence de la paix, ça porte bien son nom. C'est calme. Un parking, c'est pas beaucoup de voitures. Là on voit bien, c'est la structure de verre de l'établissement thermal. Voilà. J'entends de l'eau. D'eau là, hein. Il vient de ce tunnel dessous. Un vieux Mitsubishi 4x4, décapotable en plus, pas mal, hein. Allez, pour aller en montagne, un Defender, pas un Land Rover. Là c'est un petit Suzuki, mais ça par contre, franchement, ça c'est la police municipale, disons. Là nous avons la mairie, et alors ça je sais pas ce que c'est ça, c'est peut-être un hôtel aussi, je sais pas. En tout cas c'est une grande bâtisse de 1, 2, 3, avec 3 étages quand même. Ouais, ça donne un peu le tournis, quoi. Non? Le bel hôtel Richelieu des Aubonnes. Nous revenons vers le jardin public où nous sommes garés là-bas au fond derrière. Il y a quand même une alimentation, un marchand de pain. Finalement, nous allons traverser le jardin. C'est l'office du tourisme, au milieu du jardin public. Il n'y a pas grand monde, hein, évidemment. Ce grand bâtiment dont je parlais tout à l'heure, c'était un hôtel, quoi, en fait. Hôtel des Princes. Un sacré travail de restauration là-dedans. Ça n'a jamais été fait. Ça, je crois qu'il devait y avoir quelque chose de fait ici, puis... Bon, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été racheté pour en faire quelque chose de somptueux. Pas encore, en tout cas. Mais ça existe toujours. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce jardin, c'est que au pied de presque chaque arbre, pas tous, mais certains, hein, il y a une petite plaque qui indique le nom de l'espèce, en français et en latin. Donne cet arbre là. Plutôt avec un feuillage plutôt épars. Alors ici nous en avons un vachement plus vieux et vachement plus grand. D'ailleurs je vois même pas assez de recul pour le prendre. Mais il doit bien faire plus de 30 mètres de haut. Et il doit être plus que centenaire. En croire le tronc, en voir le tronc, hein. N'est-ce pas que c'est un bel arbre? Un bel arbre avec un beau sommet que l'on ne voit pas, qui se trouve encore tout là-haut. Ouais. Ah, c'est un séquoia. Un séquoia. Californie. Par contre, on dit pas quel âge il a. Bon, ben, petit voyage. Putain, j'ai pas de lumière d'un côté, j'ai pas de lumière de l'autre. La petite balade aux Aubonnes se termine.
jusqu'à la prochaine destination. Alors, je ne sais pas où ce sera ni comment ce sera. En tout cas, ce sera toujours avec le même principe, appareil photo, caméra, etc. Voilà. Touriste.